Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment supprimer le calendrier d'une de tes classes. Donc, c'est la fin d'année, tu décides d'archiver un de tes groupes. Tout simplement, en faisant les trois petits points ici, tu sélectionnes Archiver. Donc, automatiquement, le cours va se mettre dans la section Archiver. Les élèves ne pourront plus rien modifier. Donc, je fais Archiver. Mais là, si je m'en vais voir dans mon agenda, à gauche, je vois les agendas que j'ai accès, dont entre autres celle du groupe 102 que je viens pourtant d'archiver. Donc, il faut venir également ici dans l'agenda pour supprimer cet agenda. Si vous faites simplement le X qui se trouve ici, vous allez vous désabonner de cet agenda. Mais l'agenda va encore exister. Donc, nous allons plutôt cliquer ici sur les trois petits points, aller dans Paramètres et Partage. Donc, ici à gauche, je vais rechercher l'agenda. Ici, c'est mon groupe 102. On le voit, il est déjà sélectionné. Je suis dans Paramètres de l'agenda, mais vous voyez un petit peu plus bas, j'ai supprimé l'agenda. Donc, j'appuie ici sur Supprimer l'agenda. J'aurais pu également ici là, descendre dans la page pour arriver ici. Et on a deux options, se désabonner. Ce n'est pas ce qu'on désire, on veut vraiment le supprimer. Donc, on appuie ici, Supprimer. Supprimer définitivement. Voilà, c'était comment supprimer un agenda de classe dans Google Workspace.